Salut à toi Enzo. Présente-toi un petit peu pour que les gens te connaissent. Alors moi c'est Axel, 22 ans, je viens de Toulon, sud de la France, dans le Var. Donc là j'ai créé une société de gestion de location courte durée et je suis en train de développer tout ça à fond. Et là je vais me lancer dans le blogging. Ok, c'est quoi pour toi la réussite Axel? Alors pour moi la réussite c'est se développer, toujours se développer et surtout réussir à atteindre ses objectifs. Donc tous les objectifs que vous fixez en général, dans votre vie, dans votre couple, pour votre vie professionnelle, pour votre vie personnelle aussi, le bonheur, tout ça. Et voilà, ça englobe tout pour moi. Okay. Donc réussite financière et réussite personnelle. Merci. De rien. Alors, attends. Et n'oubliez pas, en route vers la réussite. Voilà. Salut Christopher. Enzo. Tu peux te présenter rapidement pour que les gens te connaissent? Alors, Christopher Leroy, je suis du Nord, de Lille. Je suis ingénieur travaux dans une grosse boîte qui s'appelle Bouygues. Ok. C'est quoi selon toi la réussite, Christopher? La réussite, c'est obtenir la liberté financière. Donc, puis travailler, quitter son travail, quitter toutes les sources de revenus qu'on a pour vivre de ses rentes. Génial. Merci Christopher. Merci à toi Enzo. Très bientôt. Salut Nicolas. Salut Enzo. Présente-toi un petit peu pour que les gens te connaissent. Déjà, on a la patate. On a la patate. Donc voilà, je m'appelle Nicolas, j'habite à Lyon, je suis dans la rat race, mais j'ai l'ambition d'en sortir. Ok. Voilà, après j'ai beaucoup de projets, IMO, blog aussi, beaucoup. Ouais. Donc c'est tout en cours. En cours. Voilà. Et c'est quoi selon toi la réussite? La réussite, c'est faire ce qui nous passionne. Comme longtemps également, parce ouais. que si on peut très bien avoir, en fait il y a le principe de réussite que les gens normaux pensent, c'est-à-dire voilà, je suis PDG d'une grande boîte, je gagne des millions, mais au final ben, je reste quand même dépendant, pas forcément d'un patron, mais d'un siège d'administration. Ouais. Et pour moi la vraie réussite, c'est vraiment la réussite qu'on base sur soi-même. C'est la réussite, c'est se développer personnellement en se ouais. formant et en voulant, en réussissant ce qu'on veut faire, ce qu'on a dans les tripes au final. C'est beau. Ouais, c'est super. Merci beaucoup Nicolas. Ben de rien, je te remercie à toi. Salut Mickaël. Salut. Salut Thierry. Salut. Alors aujourd'hui, j'ai une petite question pour vous. Je vais d'abord vous laisser vous présenter. Mickaël, dis-nous un peu plus sur toi. Bonjour, Mickaël de Bordeaux, j'ai 29 ans. Et là, c'est mon premier séminaire ici. Et j'ai découvert Cédric sur Internet il y a à peu près 4 mois. Donc je me suis inscrit à son programme IMO Étape et j'ai eu une invitation pour le séminaire. Donc voilà, là je suis en phase de découverte et je rencontre des gens super, super sympas. Donc, ok. Cool. Et toi Thierry, dis-nous un peu plus, qui es-tu? Thierry, donc moi je viens de Rennes. Première fois donc... à quitter la Red Race de Cédric. Très bonne ambiance. Bonne ambiance. Moi, la première fois, donc je découvre un peu, quoi, c'est ça. Et puis voilà, tu as des questions à poser. Et les mecs, selon vous, c'est quoi la réussite? La réussite, bah déjà d'être heureux de ce qu'on fait, d'être content de se lever le matin et ouais, je dirais de se sentir en alignement avec sa vision. Ok, et toi Thierry? Réussir ses objectifs qui sont en complémentarité avec, avec soi-même, avec ce qu'on désire dans la vie, voilà, être en accord avec soi et avec les autres, ses proches aussi. Voilà. Okay. Merci beaucoup les gars. Merci.